Et plop les gens, ici Zikino, de retour sur Graveyard Keeper. Alors ça fait longtemps que j'y ai pas joué en stream, genre 3 semaines au moins. Pendant ce temps les vidéos ont continué d'être mises en ligne, distribuées régulièrement. Mais du coup moi j'ai un peu plus perdu à ce niveau là. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo derrière, mais bon là on est en été, on est le 6 juillet et on crève de chaud par ici. Donc voilà, j'espère que vous entendez pas trop. Bref, où est-ce qu'on en était? On doit retourner auprès de celle qu'on aime, activer la colline aux sorcières et le laser spirituel. Je crois qu'on a déjà la fourchette salée et le miroir de l'orgueil. Il nous manque le carnet infini de serpent, mais pour ça soit on paye la pomme d'or super chère à Clotho, soit on va dans le donjon au niveau moins 15. Moi c'est plutôt ça qui m'intéresse. L'inquisiteur, je sais pas trop comment je pourrais avoir son charbon ardent. Mademoiselle Charme, pour avoir son collier il faut je sais plus quoi. Et l'astrologue, je sais plus non plus. Voilà. Voilà où on en est, et du coup l'émission active sur ces personnages là, c'est aider Mademoiselle Charme à sauver Wagner du fort du Nord. Je sais pas, je crois que je peux faire que serpent, je sais plus comment je fais, faut que j'aille voir l'astrologue et Mademoiselle Charme, voir l'inquisiteur aussi, parce que là je sais plus trop comment on fait. Donc j'avais ça aussi, select. Voilà, j'ai perdu les touches, alors que c'est les gâchettes. Non. Qu'est-ce qui était intéressant ici pour faire tout ça? Il n'y avait pas des compétences de combat, là. Alors, il y a maître épée ici, il y a celle-ci. Ça donne quoi? Talent costaud, plus 1 de dégâts, plus 1 de défense. Ça peut être bien, ça, mais il faut 75. Avec les deux bouquins, ça devrait aller. De mémoire, on les avait achetés à l'astrologue. Oui, on avait beaucoup avancé avec l'astrologue, mais je sais plus où c'en était fini. Je crois qu'il faut peut-être le voir la semaine prochaine ou un truc comme ça. Bah écoutez, on va faire ça. On va se prendre les arts martiaux. Pour ça, on prend ça, on prend ça. C'est où? C'est ici. Les arts martiaux. Oui. Et si on peut avoir la prière de défense, je dirais. Vu que les ennemis, on les tue assez vite, mais ils nous font beaucoup de dégâts. Je sais même plus si j'ai déjà pris aujourd'hui. Est-ce que je peux... ou pas. Est-ce que j'ai le temps de faire la prière? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je ne sais plus du tout. Alors, et sinon... Non, non. Plutôt là. Voilà, la prière. Du coup, la prière de défense. Il faut un bouquin pourri et de la foi. La foi, j'ai. C'est un bouquin pourri qu'il me faut, pour ça il me faut un chapitre pourri, donc on va fabriquer ça rapidement. Si ça se trouve j'avais déjà fait... C'est possible que j'ai déjà... Que j'ai déjà fait la prédication là, le sermon. Puisque... Et donc là j'ai... Puisque je me... Ah non, faut encore que je... que j'ai déjà fait le sermon parce que je me suis fait avoir une ou deux fois en mode... Ah mais mince, j'ai pas le temps, faut que je fasse le sermon vite, vite, vite. Ah oui, mais il me faut un livre de qualité si je veux un sermon de qualité. Oui, c'est pas grave, on recommence. J'ai pas de... qualité or. Là j'ai
33% de chance de faire un or alors que là j'ai 0. Bon bah tant pis, j'ai envie de dire. Ce sera pour plus tard. Les papiers d'aristocrate, je les ai déjà montrés à Mademoiselle Charme, oui, je crois. Je crois. Je vais juste prendre ça pour vérifier, mais. Et bien évidemment, je ne l'avais pas fait. J'aurais peut-être dû faire quand même le sermon de défense. Je sais pas. Au moins j'aurais eu un peu de défense, même si c'était pas beaucoup et que je récoltais pas beaucoup de fois. Bah, c'est pas grave. Ce n'est pas si grave. Bim, boum, boum. Pim pim pim. Pim pim pim. On pose ça là, la foi on la pose par ici. 118, ok, ça stack à plus de 100. J'ai vin rouge, croissant, bière, miel et asticot. Okay. Les croissants qui sont là, c'est juste la bière qui n'est pas dans ma roulette. C'est de la bière piètre qualité, mais qui soigne plus que le miel. Par contre, le vin, c'est celui qui soignera le plus. La bière soigne plus et donne un tout petit peu d'énergie en plus, mais ça, c'est pas très important. On va directement, vu que j'ai dit que le seul objectif dont je suis sûr, c'est d'aller au niveau moins 15, ben, on va y aller directement. Moins 12. Reconnexion en cours. Super. Hop là. Ah ouais, d'accord, j'avais déjà commencé en plus. Ici. D'accord, donc on a retrouvé la sortie en prenant le chemin le plus rapide. C'est un peu dommage, vu que la sortie ne nous est pas autorisée tant que nous n'avons pas tué tous les monstres du niveau. Et voilà, quand je parlais de défense, lui aussi là. Lag. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon, le live est revenu. Du coup, j'ai perdu un peu d'énergie et des PV. Le miel pour le moment, c'était seulement de l'énergie. C'est ça le souci, c'est que je perds des PV. Les PV sont plus embêtants pour rester poli à remonter que l'énergie, en tout cas avec ce que j'ai sur moi. Jour de Mademoiselle Charme. Ah.
Voilà, niveau moins 13. C'est quoi? S'ils me disent quelque chose. Pépite d'argent, solution d'ordre. Oh là là, j'ai plus de PV. Bah, du vin. Tant pis pour l'énergie gaspillée, entre guillemets. Pour la régène d'énergie gaspillée. Oh, les PV. Ah d'accord, je peux déjà pas tout récupérer ici. Oh. Non! En plus, les bouquins, je voulais les prendre. Hein? Est-ce qu'il y a un zombie ici? Non. Alors, on va en descendre un. Vu que c'est bientôt le jour du... Bon, lui, il travaille. Toi. Vu que c'est bientôt le jour du... Comment il s'appelle? Marchand. Tac. On peut les mettre ici, hein, les pépites. Okay. Pas des masses. J'ai quoi d'autre qui se met là-haut? Les bols en céramique. Ici. Ça, ça se met en sous-sol. Et tout le reste aussi. D'accord. Tant pis. Est-ce que lui, il peut faire ça? Non, je peux pas le poser. Tant pis, il y en a déjà un qui travaille au sous-sol. J'ai mal reconnu l'icône de quand il y en a un ou quand il y en a pas. Mon mauvais... Non, alors... les flacons sont ici, les poudres sont juste au-dessus. Les ailes de chauve-souris sont bien là. Ça, j'aurais dû le poser là-haut. Les trucs gluants, c'est plutôt ici. Les toiles d'araignée aussi. Et ça, c'est là-haut. Et les clous sont à droite. Et juste après, je vais voir Mademoiselle Charme. Et on peut peut-être même retourner. Ok. Il faut des billes. Et bah, fabrique-toi des billes de bois. Qu'est-ce que j'ai dit sinon? Oui, ah, les clous, j'ai oublié de les mettre, c'est pas grave. Théoriquement, ils sont ici. Très bien. Bidim-boum. Boum, boum. Salut mon chou, que puis-je faire pour vous? J'aurais quelques questions. Non, pas de questions. Commercée, elle veut bien me vendre des bijoux, du parfum. Je suppose qu'elle veut bien en acheter aussi, mais... Rien d'intéressant donc avec Mademoiselle Charme pour le moment. C'est marqué quoi déjà? C'est sauver Wagner du Fort du Nord.
Et lui, la poisse, pas aujourd'hui, quoi. La poisse, jamais de la vie, même, j'ai envie de dire. Lui, il veut bien ça. Ouais, je peux lui donner les deux croissants, de toute façon, ça me... Comme ça, je peux mettre la bière équipée en bas. Ça va me libérer un slot. Paf. Demain, c'est le marchand, mais on s'en fiche du marchand. Je peux passer par là, je suis pas obligé de rentrer. Et on va retourner du coup au moins 13. Non, c'est pas ici. Boum boum. Boum boum. Boum boum. Il reste 2 niveaux et 3 cartes celui-ci. J'aurais dû. J'y arriverai pas, sûrement pas avant que Serpent arrive. Mais j'ai pas dit que j'y arriverai pas du tout. Hop, là, est-ce qu'il y a quelque chose? Normalement, non. C'est bien ce qui me semblait. Après, peut-être que le niveau moins 15. Il y a la pomme d'or, mais il y a peut-être des boss aussi. Parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de boss. Là, j'essaie d'être... Oh, punaise. Hors de portée du golem, là, de l'élémentaire, j'allais dire. Voilà, midlife, rien qu'avec lui. C'est pratique. Un peu de vin et tout va bien. Punaise, il m'embête cette... Elle m'embête cette chauve-souris. Voilà, ici il va y avoir du fer, je crois. Punaise. 3 PV pour ça, quoi. Moins 8. Moins 3, ça va. Neuf pépites d'argent, ça fait du bien. Un peu de dégâts à travers le mur. Ah! Ah, j'ai 3 slots de. Bon, de toute façon, les clous. Je pense que les clous ensanglantés ne servent à rien. Et j'ai déjà. Je sais déjà faire fabriquer des clous très facilement. Tiens, je vois pas bien là. Oh punaise. D'accord. Faut mieux le bourriner lui. Prendre ouais, 2 vins. Alors ici y a rien.
Ah, la pépite. Les pépites, je veux dire. Les pépites, ça veut dire qu'il faut que je vire quelque chose. Je pense que les DOS à ce niveau de jeu-là, ce n'est plus si utile. Un peu comme les clous. Et ça, c'était le niveau 13. Si je ne me trompe pas. Tac, tac. Du coup, je ressors. Faut que je me vide les poches. Bim, bim, bim. Si je ne me trompe pas. Alors ici les ailes de chauve-souris. C'est tout, non? Bon, on verra bien. Les trucs gluants là. Non. La solution de machin. Ça en haut, ça en haut, ça en haut, ok. Je devrais peut-être pas prendre le miel et, et la bière, peut-être juste un des deux. Non, là on peut pas. Servait à quoi les sauts de jus de pomme? Des tonneaux de fermentation, ouais, ça doit être ça. Si, là. Ici, je pose ça. Alors après, où est-ce qu'il y a les diamants? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai posé? Ici d'ailleurs, le diamant. 2, 3, 4. La pierre de TP. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se TP. Bon, ben voilà. On réapprend. Petit à petit. Non. Au pire. Il y a de la place, pourquoi tu veux pas? Ah non, c'est des boîtes de chauffage, à partir de ça. Ah ouais, d'accord. Oh là, je fais n'importe quoi. Je me souviens de rien surtout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une recette rapide qui me donne des PV? Aucune recette qui donne des PV, d'accord. Juste genre l'alcool, le vin. Ouais, j'aurais pas dû le prendre, pas grave. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, tout ce qu'il me faut, c'est... c'est des PV et de la place dans mon inventaire, hein, de toute façon. Donc on va reprendre du vin et c'est reparti. Niveau moins 14.
Alors, est-ce que le niveau moins 15, il y aura juste la pomme sur un piédestal? Je ne sais pas. Oula! Gros lag. Enfin, gros. Suis quand même. On va reprendre du vin. On continue tout en bas, on ira à droite plus tard. Ah d'accord, il y a déjà... Alors qu'est-ce que c'est? C'est des graines de choux détruire. Oui, ça c'est des graines d'oignon mais qualité bronze détruire. Voilà, j'ai cru que j'avais détruit les deux. Pas trop à quoi ça sert qu'elle me balance sa toile d'araignée, là, sa boule de... J'ai pas l'impression que ça me fasse des dégâts. Petit saut d'image. Je pense que le PC souffre aussi. Oh là, il y a de l'or. What? Eh oh! Je touche plus à rien. Je... Allô? Je vous promets, hein, je touche pas la manette, ça continue. Et ça me descend même pas mon... Non mais, même dans le menu de pause. La pierre de foyer, je peux... Oh! Ça peut me débloquer. Je peux pas l'utiliser, mais au moins, vu qu'il me le dit. Ah, j'aurais dû... Ouais, bref. Tac, tac, tac. Je vais enlever les clous. Ouais, les clous. Oui. Ah, presque. Alors c'est le jour de serpent. Ça sert à rien d'aller le voir si j'ai pas ma Mac joueur. Ça c'est un succès, je suppose, sur la mort. Bili pim pum. Ah, je peux pas. C'est où? C'est lui.
encore un. Alors, maintenant on peut poser ça, c'est bien. Le reste on peut pas. Ah, il y a une potion en bas. Ah, il y a ça que je peux détruire. Bon, bah tant pis. Ça ici, ça ici. Ok. C'est plus pour me débarrasser des stocks sans les détruire que je fais ça. Tac. Non, c'est en bas. Non. Et la toile d'araignée, est-ce que je peux la broyer? Je sais plus. Très bien. Et ça, ça va là. Ah d'accord. Non, c'est que j'ai inversé. Ok, ces trois trucs vont en haut. Et je peux retourner au sous-sol. Et lui, il me donne sa bouteille de jus de pomme fermenté. Et la bouteille de jus de pomme fermenté ne donne que de l'énergie. Qui est en train de me pomper la chaleur, mon énergie. Sinon, pas de PV. Donc c'est comme du miel en fait. Bon, après la quantité, tout ça. Ah oui, il est là lui. Alors, j'ai tout visité, il me reste juste là où il y avait l'élémentaire, et sur sa droite. En dessous, j'ai été. Là, j'ai été, je crois. Ouais, la salle avec juste l'élémentaire. Oh là là. D'accord, c'est pas con. Le fait de mourir et respawn, c'est pas compté comme. Mourir et respawn, c'est pas compté comme dormir. Gros bourrin. De toute façon, l'énergie. Je m'en fiche un peu. Là, encore un peu de vin, plus pour la vie que pour l'énergie. Je sais pas si il y aura un monstre à affronter là ou pas. Ah, c'est déjà le soir, le serpent est déjà parti, je pense. Ou en tout cas, le temps que je remonte. Oula, oula, oula. Oh non, ça par contre c'est pas possible. Extrait de ralentissement, ça. Des graines, des amphores, ça va aller. Oh, c'est un vrai niveau en fait. Bon, ça sert plus à grand chose d'essayer de speedrun avant que Serpent parte, vu qu'il est déjà parti. Donc on se revit les poches une dernière fois. Demain c'est le jour de l'inquisiteur. Faudra aller le voir.
Je pense. Je pense que ce serait intéressant d'aller le voir. Il n'y a pas la place pour les... Oh. Il n'y a pas la place pour les gelées, il n'y a pas la place pour les ailes de chauve-souris non plus. Ah oui, parce qu'il m'a fait ça. Yeah, super. Ça c'est bien par contre. Et j'ai deux machins de chauve-souris. De toile d'araignée. Qu'est-ce que je raconte? Ah ouais, mais prends quelques asticots là. Là, je pose ça, ça. Ici, je pose ça. Il m'en faut encore un. La gelée, on peut la mettre là ou pas? Non. On va passer par en haut, c'est pas grave si on a de la gelée encore sur nous. On s'en débarrassera plus tard. Ici, on peut mettre ça. Si, c'est bon. Ensanglanté ça. Okay. On va se reposer. Boire un peu d'eau. Oh là là, comment ça se saccade. J'ai pas regardé le succès du coup. Je n'ai pas regardé le succès. J'aime bien voir les détails de comment on l'a obtenu. Enfin, quelle est la raison précise? Est-ce que c'est juste que je suis mort beaucoup trop de fois ou pas? En fait, il va falloir que je fasse... Je crois que j'ai mis les burgers. Mais il va falloir que je fasse de la bière niveau or pour lui, quoi. Pour faire de la bière niveau or, il va me falloir des engrais. Ou beaucoup de chance, ou les deux. On va faire ça. Ouais, le vin aussi, c'est bien. Entre les deux, c'est parfait.
évidemment, je récolte un peu d'or. Ici c'est mieux. Oh, les graines qui sont en rab, j'ai oublié. C'est pas grave. Alors ici on pose ça. Graines de vigne, faut retourner là-haut. Ouais, retourner par en bas pour changer un petit peu. Poulim poum. Poulim poum. Voilà. Et ça, voilà, je me dis bien qu'il y avait deux trucs à poser. Boum, pim, pim, boum, pim. Ah non, j'ai pas envie de le reprendre l'or. C'est bon. Tout ça, ça vaut sous-sol à peu près. Différents endroits, mais tout au sous-sol, il me semble. Paf, paf, paf. Bim, 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 bim. Pourquoi j'ai beaucoup de raisins comme ça? C'est juste que j'en ai stocké plusieurs fois sans les faire. On va tous les faire du coup. Voilà. Lancer en... Non, il manque de l'eau. Oh, bah, tant pis, hein, on va mettre à côté. Boum. Boum. Ah, et ça sera le jour de l'astrologue, c'est pas grave. On va une fois au sous-sol. On essaie de finir. J'ai tout ce qu'il me faut et je vais garder le bouquin. Comme ça, j'aurai de quoi libérer de la place sans réfléchir en utilisant le bouquin pour prendre la pomme d'or. Bim, 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 bim. Et dernier niveau. J'ai bien fait de revenir là, on n'avait pas fait ça. Je sais plus jusqu'où je suis allé de l'autre côté à droite. Peut-être pas très loin. Peut-être pas très loin. Attendez, mais ça je l'ai déjà fait.
C'est pas là où j'ai été bloqué? Non, il n'y avait pas le chemin en bas. Ou alors le dernier niveau se fait à l'infini. Mais du coup, oula. Plus assez d'énergie, vite. Pour une fois que le miel est intéressant. Alors, on va reprendre un peu de miel d'ailleurs. Ok, j'ai pris du vin sans trop le vouloir. Citrouille, c'est bien de garder quand même. Betterave, par contre. Ah, les petites boules explosives. Plus bourrin que ce passage, je suis pas sûr que vous trouverez beaucoup de gens pour vous le faire, la démo. Ces poudres là, je sais pas trop comment les faire. Tac. Les autres, c'est moins grave. Alors, est-ce qu'on a bientôt fini ce niveau? Oui! Oh, il y a une pomme d'or! Continuer, on a dit que pour la prendre, on utiliserait le livre. Pomme d'or récoltée au fond du trou. Donc ça, ça doit être le succès pour avoir fini le donjon. Vite, je pose ça ici. Ça, hop là, ici je vais poser ça, on peut pas plus, ok, amuse-toi alors. Et hein? Où est-ce que je l'ai mis? La pierre pour se téléporter là. Le phare. Je ne sais pas ce que vous avez écrit, mais ma chaire de professeur a été totalement restaurée. Et j'ai même été promu.
Ah, et le meilleur dans tout cela, c'est que le doyen m'a signé l'accord pour l'expédition. Mais nous avons cependant un problème. Il nous faudrait une personne possédant des papiers d'aristocrate pour m'accompagner. Ce ne serait pas un problème de trouver quelqu'un en temps normal. Mais compte tenu de l'aspect sensible de notre situation, il faudrait vraiment que ce soit vous. Trouvez-vous des papiers d'aristocrate. Je compte sur vous. J'en ai, mais pas sur moi. Et la pierre TP, Ah. C'est dans quel coffre? À côté de l'église, non? Au pied de l'église? Boulé poum poum. Alors, vite. Est-ce que j'ai le temps de faire l'aller par le sous-sol? Et le retour en TP, si elle veut bien. Sinon, ça sera débloqué pour la prochaine fois. Mais ce n'est pas noté dans l'émission, c'est donc relou. Oui, ici, les papiers d'aristocrate. Si je peux les... Non, je peux pas encore. La quête. Ouais, non. C'est mort. Vous savez quoi? Je vous aime bien. Vous êtes mon seul ami. Vous êtes également mon ami. J'espère que vous ne pourrez jamais rentrer chez vous, et qu'un jour, vous ne serez plus qu'un crâne, tout comme moi. Et un nouveau type viendra nous déterrer tous les deux. Ce serait tellement plus sympa qu'on soit ensemble tous les deux. Bien sûr, mais je dois vraiment rentrer chez moi. Oui, oui, n'écoutez pas les divagations d'un vieux crâne. Ok. Étagère mortuaire, ouais. Ça je peux pas, et ça je peux pas y poser. Ça, c'est dehors en haut. Les ailes de chauve-souris, est-ce que il y a pas la place pour tout? Ensuite. Si je mets les gelées là-bas, c'est trop long. Je peux les mettre ici, au pire. Ce serait quand même embêtant vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. On va s'en faire quelques tubes à essai, etc. Oui, ça... ou je sais pas.
trop tard dans tous les cas. Boum boum. Plus d'énergie. On va se prendre un petit peu de miel. On va quand même finir ça. Il doit rester une place noire quelque part. Hop là. Là, c'est à 29 et pas à 30. C'était pour ça. Donc ça, on peut le mettre là-haut. Sinon, on peut aussi prendre ceci. Vu que c'est la matinée. Oh! Boudou poum poum. Ah! Bim poum. Bonjour toi! C'est de l'encens et on dirait de la dynamite ça. Reste, je vois pas assez bien. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. À présent, prions pour cette bénédiction. Ouais, c'est sympa ce que tu dis, ouais, je suis d'accord, ouais. Ouah, trop bien, ok, c'est trop sympa, ouais. Et tous vos dons sont les bienvenus. Ouah, c'est super ton sermon, ouais. Allez. Ah non, on peut pas passer. Si, de ce côté on peut. Alors, on repose ça. On repose. On peut pas. Elle est où la foi? Elle est ici aussi. Oh, il y a vraiment plus de place. Ah mais là il y a une note toute seule. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Un chapitre. Voilà. Au moins ça l'a pris. Et on va pouvoir aller se coucher. Voilà. Ficher les succès rapidement pendant que je dors. Même pas vraiment le temps. Allez. Oh, en plus il est trié n'importe comment. Alors au fond du trou, c'est terminé le niveau 15 du donjon. Mac joueur, c'est il ne peut en rester qu'un.
Je suppose que c'est mourir contre le dernier ennemi du donjon. Mais ce n'est qu'une supposition. Alors toi, fais-moi des lingots d'argent. Toi, fais-moi des lingots d'or. Aller vendre tranquillement le vin de qualité argent. Demain, le jour de Mademoiselle Charme, du coup je peux rien faire vu que j'ai pas donné mes papiers d'aristocrate à l'astrologue. Ou alors je peux lui dire, on verra. On va rester en ville pour voir. Une pièce d'or et 50 pièces d'argent. Et on appelle ça les croque-fruits ou je sais pas quoi là. Je suis un garde lorsqu'il fait noir. Ok. C'est-à-dire que quand il fait jour, il est pas garde. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas réussi à avoir de l'amitié avec Radric? Enfin, avec certains PNJ non principaux, c'est marqué ouais, il vous faut au moins 30 d'amitié avec lui. Je suis à 20. Et pareil, le maçon, je ne peux pas rentrer chez lui. Alors que c'est chaud de monter de l'amitié avec ces gens-là. 80 avec Crévoz, quoi. Je me souvenais de ça aussi, ouais. 80 avec un perso que tu vois rarement. T'as aucune quête avec lui. Et tout ce que tu fais, c'est lui acheter du fer et lui vendre des épées ou des trucs comme ça, quoi. Et faire du commerce n'augmente pas l'amitié. Charme, ils se croisent donc tous les soirs. Allez où vous voulez, tant que c'est loin de moi. Je vous ouvre la porte, madame, mademoiselle. Boum, 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 boum. Salut mon chou, que puis-je faire pour vous? Rien. Apparemment rien. Ah, l'épée elle prend des dégâts. Bon. Apparemment pas beaucoup. Hein. Avec le meunier, quoi. 80. Alors j'ai entendu dire que si on restaurait ces trucs là, peut-être qu'en exhumant le corps et en le mettant chez moi, ça faisait des choses, mais j'ai pas vraiment cherché plus loin, je dois bien avouer. Enfin, j'ai essayé là du coup de remettre des bonnes planches en bois, tout ça. Et à la maison brûlée, je crois que je l'avais fait aussi.
mais ça ne m'a pas débloqué grand chose. Et vu que je me suis pas spoilé réellement en regardant ce que c'est censé faire, si vraiment c'est ça ou si c'est juste que j'ai lu ça sur un chat et qu'en fait ça fait rien, ce qui est aussi possible. Qu'est-ce que je peux faire? L'astrologue, il est loin et je dois l'attendre pour pouvoir faire. Attendez, on va regarder dans l'ordre. Mademoiselle Charme, on a vu, je peux rien faire. Le marchand, de toute façon, je peux rien faire. Le serpent, faudra que je lui donne. La pomme. L'inquisiteur, faut que je réussisse à faire la bière de améliorer, je pense que c'est ça. L'astrologue, il faut que je retourne le voir, et lui, il n'y a rien à faire. Donc en vrai, là, je suis bloqué jusqu'au jour de serpent. Peut-être essayer de trouver comment on fait... Enfin oui, je peux faire ça, de l'alchimie pour trouver comment on fait des engrais, quoi. Mais même en faisant des meilleurs engrais, ça va prendre masse de temps que pour récolter les... Comment ça s'appelle ? Non. Je commence par prendre un peu d'eau, comme ça je descends pas juste pour rien. Houblon. C'est ça. Hein. Pour pouvoir mettre de l'engrais sur le houblon pour que... ça pousse en qualité supérieure et puis après j'ai des graines de qualité supérieure du coup etc. En vrai, je vais garder la pomme d'or sur moi. Je vais garder ça sur moi. On va faire un peu d'alchimie et arrêter la vidéo là, je pense. Ici, il prend de la place pour pas grand chose, je pense. Soit je le remets dans mon coffre, qui de mémoire est un peu plein, je sais même plus trop de quoi, au pied du lit. Encore ? Félicitations ! Yorick m'a dit que vous étiez un aristocrate désormais. Oui, mais comment le sait-il ? Eh bien, il aime bien vous suivre. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas à côté de vous. Il est là actuellement ? Je parie que oui. Ha ha ha. Pourquoi pendant 150 fois où j'ai fait ça, j'ai rien eu? Et là, juste parce que j'ai les papiers d'aristocrate sur moi? Oh! Ah oui, l'étagère qui passe de vide à vachement rempli deux étages juste parce que j'ai mis un crâne, quoi. Bref. Alors, alchimie, qu'on regarde quand même l'objectif. Être là. Alors l'élixir d'énergie pour faire de l'engrais enrichi ou stimulateur de croissance et l'exhausteur de goût. Exhausteur de goût, stimulateur de croissance. Alors attendez, exhausteur de goût, j'ai envie de dire c'est avec du sel, mais là c'est peut-être
Peut-être que je me confonds avec Zelda. Donc l'élixir d'énergie, je peux en fabriquer. J'ai déjà la recette. Il y en a un qui était tout marron. Est-ce que ce serait pas prendre la poudre de ralentissement et la solution de ralentissement ensemble. Apparemment j'ai jamais fait et ça fait n'importe quoi. Ok, alors la poudre de ralentissement et... Je vais tous les faire dans l'ordre du coup. Solution d'accélération. Ok, donc ça, ça on l'avait déjà vu. La solution de santé et la poudre de ralentissement. Non, la poudre de ralentissement et l'huile d'ailleurs. Non, la poudre de ralentissement et solution de mort. La poudre de... Non, la solution de mort, il y a quoi à côté? Solution d'ordre et poudre de ralentissement. Non, la poudre de ralentissement et... Solution toxique. Non. Non. Oui, j'ai mis la KO. Solution de vie. Et non. Tout ça pour que dalle. Par contre, j'ai de l'élixir d'énergie. Et ça, c'est pas... C'est pas inutile. On va dire. Non, c'est ça que je vais poser. Et ça, je ne peux pas. J'ai rien à 4 de toute façon, donc. Je suis un peu. Bloqué. Non, je suis pas sur la table d'études. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux étudier des choses? Non, ça c'est pour les déchirer. Ça aussi. Je peux étudier l'ensemble. Il faut mieux essayer d'étudier les outils de base, j'avais oublié. Voir si on peut les décomposer, tout ça. Est-ce que j'ai beaucoup de solutions de ralentissement? J'en ai quelques-unes, je peux essayer de faire le travail inverse. Est-ce qu'on peut mélanger à la main d'étoile d'araignée? Je ne sais plus. Non. Donc c'est... Parce que je sais que la toile d'araignée fait du ralentissement. Ce qui est logique. D'une certaine manière au moins. C'est vrai, du coup, vu que j'ai étudié, c'est revenu dans ma poche. Ça. Et
Puis là, faire des trucs à trois, quoi. C'est chaud. Déjà, être sûr d'avoir tout fait à deux et tout. Je crois que... J'ai envie de dire, je vais m'arrêter là et je... Est-ce qu'il y en a combien de poudres? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Il y a 12 poudres et j'ai que 8 solutions de ralentissement. Donc je pourrais pas tout essayer. Il y a quelque chose qui est en bleu ciel d'ailleurs. Pas vraiment. Pour l'exhausteur de goût, il y a quoi? Il y a du sel. On peut essayer le sel avec tout, par contre. Enfin, tout. C'est tout jusqu'à ce que... J'ai juste pas la solution sous la main, quoi. Je crois que j'ai essayé solution de mort. Je crois que j'ai essayé l'accélération. Ok. Après la mort, c'est l'ordre. Il manque la santé, la vie. Truc visqueux de santé. Sel et toxique, ouais, ça. Ça fait un exhausteur de goût puissant, on va dire. Chaos et sel. Ah, j'ai plus d'énergie. Je vais quand même finir ça. Sel et... Après chaos, il y a quoi? Ça ne fait rien. Gaspiller tout ça pour pas grand chose. Je peux faire l'engrais, mais c'est l'engrais enrichi 2 qu'il faut faire directement, pas le 1. Le 1 ne sert à rien en fait. Là, pareil, c'est l'exhausteur de goût qu'on veut maintenant. Après, le stimulateur de croissance, si on l'a, ça peut permettre de... Comment dire? Ça peut permettre d'avancer petit à petit, quoi. Je devrais déjà me faire plein de celui que je sais faire. C'est marrant à quel point la scie vient vraiment pas, quoi. Enfin, le fer ne vient vraiment pas, quoi. Quand on va pas là-bas. Donc, on dort et après on ira voir Serpent. Mais ça va être le moment de faire une petite pause. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite.